Ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Là, je suis actuellement sur Paris. Je tombe sur cette vidéo absolument choquante. Je ne savais pas qu'il y avait des fous élastiques qui pouvaient se rendre à la salle de sport. Vous allez m'expliquer que lui, qu'est-ce qu'il est en train de travailler? Et comment il a fait pour mettre ses jambes à l'envers et mettre son fessier à l'envers quand il fait caca là? Là, c'est obligé d'aller vers le haut. Hein? Vous vous rendez compte? Il a cru que ses fesses étaient une assiette et que nous, on voulait manger dessus ou quoi? Non, là, il faut revoir les bases en matière de sport parce que là, franchement, c'est du sport limite dégueulasse. C'est quel genre de position, ça? Hein? T'as l'impression qu'il est là, il est en train de te dire, viens, prends tout ce que tu veux. Non, 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 non. Franchement, ça, c'est vraiment trop violent. On a tout vu dans les salles de sport. On a vu les malades mentaux qui étaient là en train de soulever comme s'ils étaient en train de faire du déménagement. Là maintenant, on voit les gens élastiques. Hein? Ceux qui sont dans les Street Fighter, là, les Dalsim, les Elastic Girl. C'est ça qu'on va voir maintenant à la salle de sport? Non mais là, c'est terminé. Moi, j'étais motivé à y aller parce que on a vu qu'il y avait aussi des madames vraiment qui commençaient à porter des talons. Et ça, on va pas se mentir, c'est appétissant. Mais ça, là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On dirait qu'il n'a pas d'os. Hein? C'est une grenouille ou c'est un humain? Oh là là. Ça, c'est normalement ces positions-là. C'est quand t'es bébé que t'arrives à le faire. Lui, là, il arrive à se gratter les pieds, à se gratter l'oreille avec ses pieds. Mais quelle violence. Oh là là. Mais attends, là. Même sa famille, là, quand ils vont voir ça, là, ils vont dire, mais toi, tu nous as caché des trucs. Tu nous as trop caché des... T'es un menteur. Ça, là, ceux qui savent faire ça, si tu leur dis, est-ce que tu as déjà fait ça devant ta famille, ils vont dire non. Pourquoi? Parce que c'est une position dégueulasse. C'est une position manque de respect. Tu peux pas faire ça devant tes aînés. Voilà. Donc pourquoi vous postez ce genre de vidéo sur Internet? Là, il y a des enfants. Normalement, à côté de cette vidéo, ils devraient avoir marqué moins de 18 ans. Donc là, ça y est là. Hein? Qu'est-ce qu'il travaille en plus là? Il va se casser le corps. Son dos, comment il fait pour soutenir une telle pression? Hein? Donc lui là, si tu lui fais les tortures que les Romains ils faisaient là, où il tord ton corps, lui là, lui il va pas parler. Hein? Si tu lui fais les tortures, lui son corps il est déjà tordu. Oh là 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 là, mais quelle violence! Franchement, je suis littéralement choqué, un petit peu déçu aussi par tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, parce que normalement quand tu fais du sport, tu fais du sport pour travailler, c'est pas pour les likes, hein? Vous pensez que les likes, ça fait pousser les bras? Ça fait pousser les muscles? Concentrez-vous là.